You Panda Raji is kill a match. On va se faire la truffe pour Peggle, le jeu qui a des balls. Ils n'ont rien à voir. Aujourd'hui, on est bien sûr Peggle. Pardon, c'est, le, c'est l'excitation du jeu. Voilà, aujourd'hui, heureux de te revoir Roger, si ce n'est pas toi, clique ici. C'est moi, ne t'inquiète pas, licorne à crinière bleue, tout va bien. Les jeux randoms sont revenus, il faut que je les fasse ces putains de jeux randoms. Vous allez en avoir à la partout, partout, plein, très plein. Bref. Donc Peggle, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pachinko. D'ailleurs, aujourd'hui, deux vidéos en une, deux jeux en un, parce qu'il va falloir accélérer les jeux random. Peggle et Peggle Night, le retour de la nuit du portail, what the fuck. Et du coup, je vais vous montrer vite fait en quoi ça consiste. On prend niveau au pif, voilà, le mec là, on est dans un niveau, donc je crois qu'on est au niveau 2, vous voyez, en haut à gauche, il y a marqué 2-1. En gros, c'est-à-dire que j'ai passé tout le niveau 1, fut un temps, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et là, chaque chapitre, on va dire, a un personnage, donc là c'est une espèce de castor avec, je pense que c'est ce bordel, qui a un atout, quoi. Donc là c'est le multi-bolt. Ça va apparaître une autre boule, voilà, au niveau du taquet. Ceci est un taquet, les mecs, donc voilà. Le but, c'est d'exploser tous les trucs rouges, et le bleu, c'est du bonus. Donc, je vais vous montrer tout de suite le multi-ball. Voilà, petite power cord. Mais ça, c'est cool. Alors, comment vous dire que ça fait partie du jeu random, donc... Alors déjà, oh, boule de récupération. Oh, on n'a pas récupéré l'autre lac. Donc vous voyez, on a gagné une boule, on a du coup 12 boules, ce qui est assez boulesque, hein, je sais pas comment dire. Ça c'était un lancer de merde. Enfin, tout est calculé, de toute façon, regardez. Tac, 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 tac. Bon, c'était nul. du coup, on a aussi les violets pour les bonus. Et, attendez, petit truc. Voilà, c'était juste une petite modification de ma part. Alors, du coup, bon, là, on va faire des tirs random pour vider un peu le board, hein. Ouais, c'est un peu nul. Donc, du coup, là, on a 10 balles. Il nous reste pas beaucoup de trucs rouges, on va essayer de dégager le terrain, là. Voilà. Oh là là là, regardez. Oh, oh putain, voilà. Donc, autant dire que j'ai découvert ce jeu avec... Oh putain. Avec quelqu'un qui s'appelle Bob Lennon sur Internet, hein, ça doit vous dire quelque chose. Globalement, ça doit vous dire quelque chose. Et autant dire que, croyez-le ou non, quand vous jouez à ce jeu, vous devenez dingue. Il a dû, je sais plus ce qu'il en avait dit, mais il a dû dire un truc comme ça. Mais c'est vrai, tu fais des rebonds, bon, du nawak, là c'est juste pour parler plus vite parce que je fais n'importe quoi, mais... Oula. C'était worse ça. On va presque finir par perdre en fait. Allez, allez, tombe dedans. Oui. Nouvelle boule. Plus de boules. Voilà, c'est ça qui est l'avantage. Ah d'accord. Ok. Ça c'était lancé défectueux. Voilà, hop, il nous reste deux boules. C'est nickel, faut bah deux boules, c'est posé, regardez. Hop. Oh yeah. Puf. Oui. 100 000. Bon voilà. Niveau terminé, voilà, c'est ça qui est davantage. Du coup, voilà, tourne ta cheville gauche pour faire un bras, voilà. Très bien. Donc, vous voyez qu'après, bon, au niveau des dessins derrière, c'est nawak. Ce jeu est basé sur le troll au niveau scénaristique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Donc, ne cherchez pas de logique quelconque, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on va essayer de faire un tir glissé. Ouais, c'était pas multiplication, c'est plus de bonheur. Aïe, pas génial. On va faire un autre tir de boue. Yeah. Oh, oh, rebond favorable, rebond. Alors attendez, là on va faire du multi-boue. Oh, le power card il est énorme. Tac, tac, non. Bon, ok, c'est pas grave, on s'en sort bien. Là, on va essayer quelque chose. Oui, double boule défectueuse. Ah, ça va. Tac, 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 avec la petite musique derrière. J'ai mis le son du jeu assez fort, hein, pour que vous puissiez profiter de la bande son. Non, pas du tout, il n'y a rien à voir, mais... Ouf. Oh là là, cette action. Bon, bah, vous voyez aussi que le jeu est en 4 tiers, hein, ce qui n'est pas forcément... Ah, génial, qu'est-ce que c'est? Oh, calme-toi, le téléphone. Bon, bref. Bon, on va finir cette game, mais... C'est quoi ce jeu? Je sais plus si c'est dans le jeu, si c'est portable, je comprends plus rien. Oui. Voilà, ça c'est bien. Et là, donc on va finir ce niveau, et ensuite on passera à Peggle Night, parce que je veux pas vous faire, je vous ferai peut-être un live une fois là-dessus, mais je vais pas s'éterniser honnêtement. Non. Oui, oui, le rebond, le rebond, le rebond. Le rebond, le rebond. Non, pas le rebond. Non, reviens. Non, pas 10 000. Bon, tant pis. Bon voilà, c'est un peu triste. Mais voilà, au moins,
Au moins, vous avez vu le... Oui, il y a le ralenti. On peut sauver le ralenti. On peut se refaire le ralenti. Bon, ça suffit. Du coup, voilà. On va juste faire échappe. Non, alors, tu vas vite sortir de là. Oui, oui, nouvelle boule, plus de boules. Menu, voilà. Menu. Donc, vous voyez qu'après, il y a des duels, des défis, des trucs rigolos, jeu rapide, tu prends un truc au pif, vous voyez, il y a d'autres niveaux et tout. Et, voilà. Honnêtement, on a fait le tour. Hein. Je vais vous montrer la suite et on s'en sortira. Ah, cette musique! Ah, désolé, non. Peggle. Night. Le retour des boules de la nuit. Bref, PU. voilà, Claire de Mine de Bussy, une de mes musiques préférées. Enfin, voilà. Donc, on retrouve la même formule, hein, défi, duel, jeu rapide. Nous, on va faire aventure. Track. On revient à la section 4. Et là, voilà, on a un retour du machin pharaon. En gros, ils ont tous fumé de la beuh, ils sont tous devenus dingues. Et ça donne des choses complètement what the fuck. Évite le calamar. Donc là, apparemment, il y a un calamar. Ouais, derrière, il y a un calamar. Pas grave, on l'aime bien quand même. Ok, du coup... Waouh, glissade de l'extrême. D'accord, on n'a pas tout compris, mais c'était plutôt cool. Ok, glissade de l'extrême. Oula, dégueulasse. Dégueulasse. Attends. Bref. Bon, le jeu est toujours en 4 tiers. Hein. On change pas les habitudes. Non. Ah putain, oui, ok, d'accord. Donc on a l'atout de la pyramide, j'avais complètement oublié ce truc. Qui en gros, vous voyez le bucket en bas, le saut. Bah, il nous offre quasiment la moitié du terrain en termes de superficie pour rebondir, quoi. Donc faut pas hésiter à jouer avec, voilà, comme ça. Très bien, rebond, là, vous voyez, les points affluent, on est déjà 128 000, c'est des records modestes. Oula. Hop, hop, hop. C'est toujours aussi nawak. Après, donc, voilà, il y a plein de personnages, je sais pas s'il y a moyen que je les monte d'une quelconque façon. D'accord, ça fait chier celle-là. Et en gros, après, chacun vont avoir un peu leur spécificité, plus ou moins conne et utile, il faut le dire. Hein. Oui, oui, le rebond. Plus de boules. Voilà, on va dégager le terrain. Oui, oui, ah, nul. Bon, bah, au moins, ça a touché le truc que je voulais. Et là... Ah merde, il n'y a plus la pyramide. Donc là, il nous reste 3 boules et il nous reste concrètement un truc rouge qui est pas parfaitement atteignable. Du coup, on va faire des points en attendant. Voilà, on... Plus de points, voilà, on regagne des boules pour avoir plus de... On met un peu des dingues. Oh non! Bon, je le refais. Voilà, c'était juste pour la boule de... Voilà. Et là, du coup, on peut finir... La 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 non 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 oui, oui, non oui oh, bon 50 000 c'est pas grave. Ah très bien, plus de points, voilà, tac, on frôlait la mort. Bon oui, bon bref, je sais pas ce que c'est, voilà. Donc je crois qu'il y a des trucs qui rebondissent, voilà, il y a des trucs qui rebondissent. Après, ouais, les trucs changent, hein, au niveau des cases à détruire. Vous voyez que là, il y a des carrés, je sais pas si y en avait tout à l'heure. Si, si, il y en avait aussi. Bref, la boule ne peut jamais se bloquer, c'est la règle. Alors, Skype, alors, c'est plutôt rigolo, mais tu fais pas ça. Hein, j'ai oublié de couper le Skype, je suis sincèrement désolé. Mais de toute façon, cette vidéo est faite pour les jeux random. Pardon, ça a énervé. Ça suffit, oui. Du coup, vous aurez ça jusqu'à la fin, tant pis. Hein, c'est pas une vidéo qui... monstrueusement dégueulasse. Je parlais de la boule et de... Oh, de merde. Mais Skype, arrête! Bon, je vous explique. Je peux pas faire de alt-tab et de couper le Skype parce qu'en fait... Un peu. Parce qu'en fait... sinon, le jeu, il plante un peu. Du coup, je suis un peu triste. Et on fait pas ça. Voilà. Ok. Souille! Ok. Souille! Souille! Mais raté! Souille! Souille! Allez, souille! Oh! Ok. Heureusement que j'arrive à les effacer au fur et à mesure. Oh yes! Il nous renvoie une boule parce qu'on a rien touché. Ça, c'est plutôt gentil. Torin. Hop, hop. Allez! Oh, mais. Te fais pas prier, putain! Chut.
Non! Ouais, bon, voilà, tout a planté, Skype nous a fait exploser. C'est pas grave, de toute façon, Bjorn la licorne est là pour nous aider. Et même, vous voyez que ça fait du son, du coup. En ayant fait 11 ans de piano, je peux vous dire que... Voilà. Bref, ça ne sert à rien, c'est génial, j'espère que vous avez entendu, je ne le referai pas. Oui, on peut faire tous les trucs, je peux vous faire la toccata, mais bah les couilles. Du coup, j'espère que ça vous a plu, c'était rapide, c'était courtois, pas courtois, concis, oui, c'est mieux concis. Il y aura bientôt plus, oh oui, les cornes volées derrière. Vous verrez plus bientôt de jeux random plein, il y aura une section sur les point and click, sur les jeux de stratégie, et tous les autres trucs perdus que j'ai envie de désinstaller, parce qu'ils sont là pour faire une vidéo. Pour l'acquisition, il faut dire que là, on est sur Origin. Ça marche avec EA et il nous avait offert les deux opus, donc on les remercie pour nous avoir donné tant de bonheur. Sur ce, à plus et à la prochaine.